Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée, Regard d'Afrique Conakry. El Hadj Seydou Diallo, père du ministre Ousmane Gawal Diallo, a apporté ce jeudi 30 novembre des précisions sur des accusations de détournement de domaines familiaux par l'actuel ministre des Postes, Télécommunications et de l'Économie numérique. Dans une vidéo devenue virale sur la toile, le ministre Ousmane Gawal Diallo a été accusé par un des frères d'avoir détourné des biens appartenant à toute la famille. Après le tollé qu'a suscité cette sortie médiatique, le père du ministre des Postes, Télécommunications et de l'Économie numérique a décidé de briser le silence. Invité jeudi de l'émission Mirador, El Hadj Seydou Diallo a déploré le comportement d'Alpha Bakar Diallo, frère d'Ousmane Gawal Diallo. Il y a eu une agression gratuite et inutile de la part d'Alpha Bakar vis-à-vis de son frère Ousmane. Sinon, s'il y a un problème, je vis, ça m'est vie. En plus, lorsqu'il s'agit de patrimoine, c'est le nôtre. Nous vivons encore, on ne parle pas d'héritage vu que nous sommes vivants, introduit-il. C'est méchant de se lever, d'accuser son frère de vol alors qu'il n'y a pas de vol. L'accuser de faux, demander même qu'il soit destitué de ses fonctions de ministre de la part d'un frère, je dis que c'est méchant, ça n'en valait pas la peine, c'est regrettable et je condamne la formule. C'est pas bien, ajoute-t-il. Eh bien les amis, c'est ici que prend fin notre petit bulletin d'information. Si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Merci de partager la vidéo avec vos amis, connaissances et proches si vous la trouvez notamment intéressante. À très bientôt.